Ok, une bonne chose de faite. Les lingots arrivent, on les voit là-bas. On les voit. Donc on va laisser tourner un petit peu. Pour pouvoir débloquer après dans le MAM ce qu'il y a débloqué. J'ai déjà quelques lingots de Caterium sur moi, normalement j'en ai 12. Ça va aller assez vite parce que là je crois que c'est 50 lingots pour l'instant. Du coup, on reviendra voir ça très rapidement. On va pouvoir se focaliser un peu sur les jalons. Bienvenue à toi, Gus du 9-4. Welcome. Holy crap. Fabrication industrielle. Façonneuse. Transforme jusqu'à 4 pièces pour en créer, créer une nouvelle. Je pense qu'on va avoir besoin de ça. Ah ouais, non, mais coup du jalon. Mais non, mais en fait, non. Non, il va falloir que je m'intéresse au plastique, en fait. J'ai pas le choix. Faut que je m'intéresse au plastique. Et faut faire des cadres modulaires lourds. Bon, il faut que je fasse du caoutchouc et du plastique. Caoutchouc et plastique. Je vais bien, je te remercie. Et toi, t'es en forme? En forme, Gus? J'ai déjà brûlé un ticket, oui. Enfin, tu veux dire les tickets de... Oh, il y a des nouveaux trucs, d'ailleurs. Faudrait que j'aille regarder. C'est là qu'on obtient les lampes. D'ailleurs. Tu parles des tickets... des tickets fixés, hein, on est bien d'accord, pour acheter des trucs dans la boutique. Je pensais avoir des trucs nouveaux, mais en fait, non. Raffine les fluides ou les matériaux solides pour former d'autres matériaux. La raffinerie. Ok. Gus du 9-4 avec des underscores. Bienvenue à toi. Donc, du coup, vous êtes deux. Ah, tu t'es trompé de compte. Merci. Eh bien, rebonsoir. Gus du 9-4 underscore. Pour le cyberwagon, attends, je vais aller regarder ce que c'est. J'ai trouvé une utilité sympa ou broyeuse. J'ai mis un convoyeur intelligent en sortie de train. Tout ce qui n'est pas censé être là part dans la broyeuse. J'ai pas encore ça. Ça, depuis le début du jeu, j'en parle et je me dis que ce serait cool de pouvoir trier les éléments, quoi. Mais ça, j'ai pas encore accès. Donc, pompe à pétrole, vitesse d'extraction normale, c'est ça qu'il faut que je place sur le gisement de pétrole qui est un peu plus loin. Donc, c'est vraiment la première chose que je dois faire. Là. Extraire le pétrole. La raffinerie, ça raffine du coup les matériaux, donc le pétrole, pour faire d'autres matériaux. Donc, j'imagine que c'est avec ça. Il faut 10 moteurs, je vais chercher des moteurs. La production des moteurs, c'est pas génial quoi. Caterium, d'accord. On en revient toujours au même sujet quoi. On a 50 moteurs. 50 moteurs, c'est la fête. La conson monte en flèche avec les tiers, du coup il va falloir que je passe en production électrique avec le pétrole rapidement. Diantre que c'est gros! Ok, donc c'est avec la raffinerie que je peux faire le plastique résiduel. Ok, je peux faire du caoutchouc. Et je peux faire du... C'est normal que ça s'appelle plastique résiduel? Un matériau? Ok, et du coup, je connais pas du tout ces trucs-là. Résine polymère.
utilisé pour la fabrication artisanale, un sous-produit obtenu à partir du raffinage de pétrole en carburant fréquemment utilisé pour confectionner du plastique. C'est de l'eau. De l'eau, il faut de l'eau, donc il me faut une pompe à eau. Obligatoirement. J'espère qu'il y a de l'eau à côté de, du gisement de pétrole. N'oublie pas la pompe à pétrole. Il y a une pompe à pétrole. Avec mon pote, on vient de commencer le jeu en 10 heures. On a 12 centrales à charbon bien build. On est refait. GG Gus. Ça doit, quand vous commencez le jeu à 2, enfin quand on commence vraiment au même niveau à 2, ça doit effectivement aller plus vite, quoi. Moi, j'ai fait tout seul. Avec l'aide de, du chat. Et du YouTube. Mais sinon, je découvre tout en live. Carburant résiduel. Le carburant peut être utilisé pour générer de l'énergie ou conditionné pour être utilisé comme carburant pour les véhicules ou le jetpack. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Alright. Donc c'est bien avec les raffineries. Je sais pas du tout. Wesh, sont où les pompes? Pompe de pipeline. En fait, c'est celle-là. On s'en moque. La pompe, c'est une pompe, quoi. Que ce soit de l'eau ou du pétrole, quoi, c'est une pompe, quoi. Oh! Non, la pompe, ok. D'accord, tu parles de l'autre pompe. J'arrive pas. Elle est où? Elle est là. Pompe à pétrole. Ok. Donc là, on extrait la pompe à pétrole. Donc il en faut 120 mètres cubes. Je vais partir du principe qu'il faut en faire plusieurs. On a de quoi en faire plusieurs de toute manière là. Il manque juste les poutres. Il va nous falloir blinder de câbles aussi. Je vais partir du principe que je vais faire deux raffineries d'entrée de jeu. Il va nous manquer... Ok. Alright. Let's look at the shop. Oh, les fameuses prises murales que tu montrais en screenshot sur le Discord, Ardé. C'est 4 tickets. J'ai 0 ticket. Absolument zéro ticket. Mais ça, c'est... Hey, franchement, c'est neat, quoi. C'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, 4 tickets pour les prises murales. Fondation, section de piliers, bas de piliers. Ça doit faire... Enfin, c'est juste de l'esthétique. Mais c'est à mettre sous les fondations. Ce qui permet d'éviter d'avoir des fondations qui flottent dans les airs, quoi. 4 gigawatts, je suis trop juste quand tout démarre alors que j'ai même pas encore tapé dans les derniers tiers. Ça n'annonce rien de bon. J'aime bien le nouvel écran pour l'électricité, par contre c'est plus clair. De quel nouvel écran tu parles? Quand tu regardes la prod d'électricité. Panneau de contrôle des lumières, ok. Donc là on a les projecteurs, les lampadaires... Les éclairages intérieurs. Ça, on avait déjà. Puis après, il y a les décos. Ça, il n'y a rien de nouveau. Les balises. Ça pourrait être intéressant. Circuit imprimé, du câble. On peut débloquer du biocarburant, ok. Alright. Moi, je vais... Ça, enfin... Vraiment, j'ai besoin de ça, quoi. De mémoire, il doit y avoir 3 gisements sur la playa. Ok, ce qui veut dire qu'il me faut 3 extracteurs, enfin 3 pompes, quoi. C'est sur un filon qu'il faut la poser, donc tu peux pas faire à l'infini comme l'eau. Je suis pas sûr d'avoir compris, Chini. Là, même ça, là? Les prises murales, etc.
Les prises murales, ça me paraît tellement bien, quoi. Et les lumières, j'ai envie de tester. Les lumières, j'ai envie de tester. On va aller voir vite fait le nombre de lingots que l'on a. On doit avoir quelques lingots pour débloquer des trucs en Caterium. Ah, d'accord, oui, ok. On va voir combien de lingots sont arrivés. Je sais pas combien de lingots il faut. Vas-y, on va tout prendre, wesh. J'ai blindé de Caterium! Merci pour l'info, ouais. C'est comme les gisements de minerais, quoi. Et bien le bonsoir à toi, Wizard. Ok, mam. Caterium. 3 secondes, let's go. Ok, donc du coup, ça me débloque le fil actif. Et là, il faut 100 fils actifs. On peut avoir une tyrolienne, that's nice, mais il faut aussi 100 fils actifs. Ils sont où, les décathlons, bordel? Les poches gonflées. Oui, on va lancer les poches gonflées. J'imagine que on fait le fil avec des lingots, avec une assembleuse. Oh, je le craft direct. Pas bête. Julianos, pas bête. Oh, je peux en faire 1000. Ça va vite. Ok, on en fait 5 par 5. Nice. Dans le biome champignon, là, je pense que je vais aller au plus près. Et le plus près, c'est 1200 mètres. Un truc dans le genre, je crois. Mais t'as des coins avec beaucoup de gisements au même endroit. J'ai 8 gisements de pétrole à moins de 2 km de ma base. D'accord. T'as commencé avec quoi? Avec le désert ardé? C'est vrai que je pense pas à craft... Enfin, je pense pas forcément à craft les éléments manuellement, mais au final, c'est clair que là, ça peut aller... Bon, on va attendre... Il y a 25 secondes à attendre pour les poches gonflées. On va attendre. Au nord-est de la map, d'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une map? Genre d'avoir vraiment une map? J'ai vu qu'il y avait un mode map, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient intégré recherche au quartz. Okay. Nice. Nice. Mais en fait... faut vraiment... Bon, la tyrolienne, j'en ai pas pour l'instant. Électronique en Caterium. Décathlon. Alright. 5 minutes. Après, on a quoi? On a contrôleur d'IA. Je sais pas du tout ce que ça fait. Poteau électrique MK2. What? Why? Les poteaux électriques MK1 peuvent transporter seulement une certaine quantité d'énergie? Mais ouais. Après, la map, je la trouve pas assez développée, manque quelques trucs. Mais il y a pas mal de choses où c'est marqué wipe, d'ailleurs, quand t'explores. C'est pas encore fini, quoi. Bon, bah, let's go, hein. Décathlon! Oh, nombre de connexions! Oh, that's nice.
Oh là là, c'est trop bien. Mais ce qui veut dire que après ça se fait avec du catérium ces poteaux là ou ouais, je peux pas voir la, je peux pas voir le récip. Ok. On va commencer à remplir nos poches. Est-ce que j'ai des trucs à jeter là? Ouh, j'ai les limaces à changer en booster aussi. En éclat de charge, désolé. Ah, fil actif, putain, donc il va falloir produire du fil actif à mort, quoi. Ah, et tu lâches petit à petit le cuivre pour passer sur, sur full catharium, quoi. Limite. Ouais, attends, punaise, la barre espace, elle reste enfoncée. Mais du coup, j'avais ça aussi à craft, mais on a déjà lancé une recherche. Hop, elle est pas finie. Donc je disais, est-ce que j'ai des trucs à jeter? Le calcaire. Minerai de catharium brut. Le quartz, non, je vais le garder pour l'instant. Le soufre, je crois pas avoir débloqué. Mycélium, je vais le garder. Mais du coup, ça, ça sert à rien, on est d'accord. On peut les détruire. D'accord, ça consomme pas tant de fil actif que ça. Charbon aussi. Ok, il est en train de traiter là ou... Je crois que... Il prend pas les minerais. Il a arrêté de prendre. Ah non, il a bloqué sur sur le truc en fait. Il a bloqué sur le cristal. Et je vais pas pouvoir le récupérer là. Ok. Allez, on va récupérer les poutres. Ça sort de là, je crois. Je l'ai éteint ? Non, il manque des poutres en acier. Les poutres en acier galèrent à arriver. Ok, non, ils sont là. La fatigue. On va récupérer du câble en haut. On va passer par là. Allez, Décathlon, vous êtes prêts? Oui, je mets toutes les vidéos sur YouTube, ouais. En meilleure qualité, en plus. Donc, si tu peux passer sur la chaîne YouTube... Après, les rediffs restent sur Twitch, mais à l'heure actuelle, je sauvegarde pas les rediffs, donc au bout d'un moment, elles sont supprimées. Je sais plus au bout de combien de temps. Je crois que c'est 2 semaines ou 1 mois, je sais plus. Donc là, pour l'instant, sur Twitch, au bout d'un moment, c'est sup. Pourquoi ça bloque là? Lui, il est éteint par contre. Lui, il est éteint et du coup on doit avoir blindé de câbles ici. Parfait. Hop. C'est 2 semaines. Merci Axel. Si tu veux la chaîne, tu fais point d'exclamation YTB dans le chat là. Il y a le lien pour la chaîne directe. Ou alors, enfin si c'est sur PC, il y a le
le lien pour la chaîne YouTube sur la page de profil. Le MAM Décathlon. Point d'exclamation YTB. Si j'arrive à faire un point d'exclamation, je suis en... J'étais en QWERTY. On est bien d'accord que il faut le craft. Là j'ai débloqué le truc, mais il faut le craft en fait. C'est ça? Ou je l'ai tout de suite? J'ai pas l'impression. Il est où? Il apparaît où? L'atelier. Décathlon. Fil actif. Il en faut 50. Alright. Il nous reste des lingots. Let's go! Mais de rien, Maël. Et passe une bonne soirée. Amuse-toi bien. Ah, je veux bien te croire. Depuis le temps qu'on m'en parle, je vais finir le stack de lingots. Toc! Hop! Atelier. Hop là. L'inhalateur médicinal aussi, c'est bien ou... Arrête. Je te conseille d'automatiser... Oui, bah, à mon avis, ouais, c'est d'après ce que j'ai compris, ça va être vraiment utile pour plus tard. Et j'arrête très bientôt. T'arrêtes quoi? Oh là là! Il y avait pas un double jump? Enfin, je saute beaucoup plus haut, quoi, mais... Pfff! Ok. Ah non, c'est... Oh, c'est nice. Oh la vache! Je suis le maître du monde, là. Ah, c'est nice. C'est cool! Ah, oh oui! Je peux sauter super haut! Ah, c'est trop bien! Attends, ouais. Pas trop haut non plus. Attends. Ah non, c'est cool. C'est cool. Nice. Chambé! Ah, ça full heal. Ok, c'est genre un steampack, quoi. Super steampack de la mort. Du coup, il va nous falloir de quoi faire des tuyaux, j'imagine. Et pour les tuyaux, je vais pas m'arrêter de jump maintenant. Il me reste des tuyaux. Faut que je relance la prod de tuyaux. Oh, j'ai complètement zappé. Bon, on en a pas mal, quoi, mais... Parce que il va falloir que je fasse... Voilà, des tuyaux. Il va falloir aussi que je fasse certainement une pompe... Enfin, des pompes de pipeline. Donc là, j'ai de quoi faire pas mal. Il me reste du ciment. Je vais reprendre un stack de ciment. Je vais reprendre un stack de tubes. Aussi. Ouais, je vais... Tout à l'heure, je suis mort. Je suis mort déjà de hauteur. Je vais... Enfin, d'une chute un peu trop haute. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Aïe, fodas. Je crois que je vais craft des tubes. J'ai ramassé quoi, là? J'ai bien ramassé... Oui, non, c'est bon, des lingots de fer.
Ah, je vais tester ça sur la route. Sur la route du filon de pétrole. Bonne soirée Axel, à bientôt. All right. Bon, je me trompe de touche. Le gisement de pétrole le plus proche. Normalement, il est par là, là. Oh, c'est 2000. 2006. Déjà, j'ai dit 1002, mais c'est 2000. Heureusement que j'ai fait les D4, hein. Mais pourquoi il me le détecte pas, Julianos? Pourquoi il me détecte pas alors? Au nord-ouest. Par là? Ah, ça c'est cool. Donc plus de morts. 2600. Ouais, le plus proche c'est 2130 là. Ouais, je crois que. Parce que du coup, au sud, à côté de mon gisement de Caterium, il y a rien quoi. Il indique que dalle. Ah, et en plus, il reste pas longtemps. Oh. Mais quel gisement de Caterium au nord? J'ai pas de gisement de Caterium au nord. Mon gisement de Caterium au sud. Je vais aller voir sur celui-là. Je vais aller voir sur celui-là. En fait, le fait qu'il indique que rien, j'ai peur de tourner en rond et de pas trouver. Ça m'en... J'ai pas envie de tourner en rond. Oh shit. Par contre là je... Attends, je peux pas passer là. Faut que je contourne. Tout en haut d'une cascade, ouais. Minerai de cuivre. Enfin tout en haut d'une cascade. Ouais si c'est ça. Ah, j'ai jamais fait ce biome-là, en plus. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce biome. Bon, en fait... Avec... Holy crap. What is that? Qui c'est qui m'attaque, là? Ah, putain. C'est quoi les... Oh, punaise. J'ai... Ah, youp, trop bien. Trop bien. Et c'est mis encore tant qu'il n'y a plus d'arbres. Oh, c'est joli avec les arbres. Du coup, ça va être par là. On peut passer par... Ouh, j'ai eu une chatte, mes aïeux. Je pense que là, ça en a été fini de moi. Ouais, c'est nice, le bunny jump. Ok, je vais pas pouvoir passer par là. Il y a un truc qui fait du bruit, là. Parce que
que je vais pouvoir remonter ici, là. Alright, je pense qu'il va falloir contourner par là. J'ai de quoi faire des échelles, normalement. Oui, j'ai des tubes. C'est avec des tubes, hein. Si je ne m'abuse. Le souffle du boulet, là. De quoi, quel boulet? Tu parles de moi, là? C'est qui, le boulet? Oh shit, c'est une araignée! Attends, deux secondes! Oh, oh putain, elles sont pas belles. Putain, en plus, je la vois pas! Elles sont fast! Ouh! Elle est où? Il y en a une deuxième. Putain, mais elles sont fast et petites, en fait. Super galère à spot. Ok. On est toujours dans la bonne direction, là. Grave. Je suis arrivé in extremis au bout du précipice, quoi. Enfin, de la caillasse. Ok. 1190, ça va grave plus vite avec les décathlons, quoi. Grave plus vite. Est-ce qu'on peut monter là par là? Ok, on va essayer de monter par là. Ok, il analyse. Ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. J'ai juste à faire ça. Ok. Thanks. Oh, je pensais que je les avais one shot, mais non. Viens là. Oh, il y a de l'eau. Déjà ici, pas mal. Oh, c'est joli. Mais justement, c'est pas le pétrole qui fait ça dans l'eau? Enfin, ce genre de couleur? Oh, c'est nice. J'ai envie de prendre un screen. Attends. Ça fait penser à la toundra dans Skyrim. Geyser pour la géothermie. Waouh, je suis tellement pas prêt. Mais tellement pas. Putain, ça c'est un autre biome encore. Ah, c'est le biome champignon là, que je sais plus qui en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est Wizard dans le chat. Ok, c'est toujours en face. Eh, mais c'est super loin. Et j'ai pas vu de nouveaux matériaux à collecter. Ah, ce serait le bordel, hein. Déjà qu'à 2-3, ça peut vite devenir du grand n'importe quoi, je pense. Alright. Je suis preneur s'il y a d'autres lardons. Oh, putain, je vous fais des jumps. C'était pas du tout.
Si, si, c'était contrôlé. C'était contrôlé. Oh, il y a un truc à... Il y a un disque dur à récupérer, là. Mais j'ai pas de combi anti-radiation. Bah, c'est... Ouais, je m'en rends compte de plus en plus, en fait. Après, si au niveau de l'exploration, il continue à rajouter des choses, etc., ça peut vraiment devenir super sympa. Puis là, vu qu'il... Enfin, j'imagine qu'ils vont... parce que c'est pas le genre de choses que tu finalises, que tu fignoles vraiment en début, quoi. De développement, c'est le genre de truc... tu rajoutes plein d'éléments après, quoi. Vers la toute fin, quoi. Ok, la plage, elle est là. Donc c'est cette plage-là, en fait, que tu me disais de longer. Au bout d'un moment, je retombe sur le Catarium, en fait. C'est ça? Ou non? Oh! Nice. On va voir si on a de quoi le récupérer. Ah! Putain, non, c'est pas le moment! Oh shit! Oh shit! J'ai failli y passer là. Là, mais il y en a combien? Nécessite 4 caoutchoucs. Fuck! Ce sera pas pour tout de suite. C'est quoi ça? Oh, ordinateur! Ok, on va encore se taper. 3-4 spots. Ok, on va voir. On va regarder ce que ça donne. Yes, une limace. En fait, ce biome me donne grave envie de... d'explorer. Elles sont 3. Et franchement, si... faut pas que je meure. Merde, j'ai plus de noir. Alright, j'en ai ramassé encore tout à l'heure. Sigilement. Ça calme direct, il me faut des lardons. Les inhalateurs de santé, là, je crois que je vais m'en faire quelques-uns dès que possible. Ça pourrait... ramasser feuilles et bois, c'est juste... Non, on peut pas ramasser les espèces de gros champignons, là. Oh putain, il y en a encore, là. Eh, faut vraiment que je me fasse des guns, quoi. Elle est où? Genre, elle me narguait sur le bord du rocher, là. Elle s'est barrée où? Elles sont vicieuses! Il y a un truc qui brille, là. Ça doit être au-dessus. Ah, punaise, elle est là. Eh, mais elle joue à cache-cache, ma parole. Vas-y, j'ai le temps de ramasser la limace ou... Heureusement qu'elle meurt juste en deux coups, quoi. Parce que sinon, laisse tomber. On devrait plus être très loin, 166 mètres. Il y en a un à 154 mètres.
Celui-là, il est juste, il a l'air d'être juste au bord de l'eau. Punaise, ils vont pas me lâcher. Parfait. Forcément, il y a un stremon dessus. Ça doit être là. Ah, putain, il y a un gros en plus. Sérieux, c'est ça les gisements de pétrole? Pétrole pur en plus. Et un pétrole normal. Mais putain, en fait, je me tape lui. Oh. Ah, et c'est chaud. Ok, c'est bon. C'est chaud d'éviter ces tirs. Mais lâchez-moi! Pouh, alright. J'ai pas du tout... J'aurais dû peut-être dû poser... Ah bah non, je peux pas poser une pompe à pétrole sans avoir le filon, quoi. J'aurais... Comment j'aurais trop dû tirer le câble électrique où il arrive à se, s'auto-alimenter. J'ai un doute. Non, non, faut l'alimenter. Ah, j'aurais trop dû tirer le câble électrique, quoi. La haine. Ah, ça s'auto-alimente. Je peux fabriquer de l'électricité avec. Mais il va falloir que je... J'utilise quoi pour générer l'électricité? La raffinerie? Non. Mais faut la raffinerie plus centrale électrique. J'ai pas de centrale électrique. Bah non, j'ai pas encore de centrale. J'aurais dû tirer les câbles électriques, quoi. Je vais faire l'installation, il va falloir que je tire le câble électrique. Pas le choix. Je peux mettre mes pompes ici, faire le raccordement. Ok. Mais sans alimentation électrique, ça va être... Parce que, attends, combien il me consomme? Non, j'ai pas de balise sur moi. 40 mégawatts. Je vais pas aller loin avec mes 30 mégawatts. Ou alors, il faudrait pour au moins tester un circuit. Non, c'est pas la peine. 40 mégawatts. La vache. C'est chaud quand même. J'ai pas du tout pensé à tirer... Donc j'imagine que ça, faut que ça aille dans ce sens-là. Juste en face, quoi. Bon appétit, Hardé. J'ai pas du charbon, je vais regarder. Fais-toi une base ici, ça sera plus simple que de tirer tous les pipelines et relie tes bases en hypertube. Il n'y a rien de plus rapide que l'hypertube, pour le coup, à l'heure actuelle. Parce que même l'hypertube, là, j'ai l'impression que ça mettra une plombe, quoi. Donc là, je peux faire du carburant résiduel. Carburant... 4 mètres cubes, ok. Mais pourquoi... Coke de pétrole. Si je mets... Ok. Là, il demande résine polymère et 4 mètres cubes d'eau. Faut que... Qu'est-ce qui sort de là-dedans, là? J'ai du mal à comprendre, en fait. Il sort du pétrole brut. Comment je suis censé faire la résine polymère? Faut que je parte... Carburant résiduel.
charbon au sud du lac, le train, à part si tu fais un, si tu fais un canon, genre le canon il va me projeter. ...436 mètres pour du charbon. Ouais, c'est pas très loin, hein. 436 mètres... Je regarde si j'ai pas les foreuses pour les foreuses. Et j'ai dit, en partant, j'espère que j'ai rien oublié parce que... What the f... Oh, il m'a fait peur de dos, j'avais l'impression que c'était une espèce de grosse araignée, quoi. J'aurais peut-être dû bouffer avant. Bien le bonsoir, Hugo. Elle a 2 km. Bah avec les décathlons, ça va, c'est rapide. Hein. Surtout que là, je me suis arrêté pour observer, mais... Il y a un truc là. Je crois que j'ai entendu un truc. Ah ouais, c'est un cristal. La résine est un déchet. Sélectionne le plastique avec la bonbonne mauve. Fabrique du plastique à partir du pétrole et rejette aussi des résidus de pétrole lourd que tu peux retraiter dans une autre recette. Waouh. Tu peux faire une espèce de canon avec les hypertubes qui te donne une plus grosse impulsion pour aller plus vite, voire t'éjecter très loin. D'accord. Je crois que c'est 278 mètres, c'est là. 258. Ouh, ouh. Ça va, je pensais qu'il y avait plus de courant que ça, mais non. On va prendre les lardons. Salut toi! On n'est pas peur? Pas te faire de mal? Pas cette fois? What the fuck? What the fuck is that? Pourquoi il se met à cracher du feu? C'est toi qui fais ça là? On devrait être juste à côté. Ok, c'est en hauteur. Fuck. On va pouvoir remonter par là. Ouh non, je vais pas pouvoir remonter par là. Quoique, oh, je vais faire des trucs. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ah, je tombe dans la... me dites pas que j'ai perdu mon inventaire, j'ai perdu mon inventaire. Et j'ai plus les décathlons. La loose! La loose la plus totale! Ça se mérite! Hmm.
Du coup, vu que je suis là, je vais tirer des poteaux électriques jusqu'à là-bas. Ah, je peux faire ça ? Va à 1h30. C'est juste avant que je tombe, ça. On n'a rien vu. C'est n'importe quoi! Je suis indigné! Franchement, du grand n'importe quoi! Je vois pas de quoi tu parles, Hugo. Wow, la vache! Bon, si je meurs une deuxième fois, par contre, ça va pas le faire. Une collection Razer Hello Kitty. What the fuck? Ça ressemble à quoi? En fait, je suis en train de je veux juste regarder où, voir où est le spot. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut, donc il faut que je retourne à la base. Et le spot est là, ok. Le spot de charbon est là. Et j'ai pas de quoi faire la fourreuse de toute manière. J'ai pas de quoi faire un hub. On peut faire qu'un hub ou on peut faire plusieurs des hubs. Il faut obligatoirement une caisse de pièces de hub. Il me manque de toute manière de quoi faire les foreuses, mais au moins j'ai les D4. J'ai les D4. Clavier, tapis de souris et casque avec le petit nœud rouge. Oh mon dieu. Fer cuivre et calcaire dans le coin. D'accord, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. On va le faire dans ce sens-là. Je vais retourner. Hop. Je sais pas si j'aurai suffisamment de câbles, mais on va voir pour tirer les câbles jusqu'à là-bas. Parce que tant qu'à retourner à la base, tant qu'à faire, je vais tirer les câbles, comme ça sera fait. Et quitte à plus tard rajouter une centrale à charbon juste à côté, quoi. Mais au moins je pourrais lancer le truc rapidement. Alright. So, je pense que l'idéal c'est de longer. On n'aura certainement pas assez. Oh punaise, il va falloir gérer aussi avec eux, quoi. En fait, Julianos et Shinny m'en ont parlé. Le truc, c'est que je le voyais pas sur mon détecteur, il le détectait pas. Du coup, je suis parti au nord. Je suis parti au nord sur le gisement de pétrole le plus proche de là où j'étais, qui apparaissait sur mon radar, quoi. Mais effectivement, Shinny et Julianos m'en ont parlé.
C'est un peu dangereux quand même ici, hein. Il y a des monstres partout, quoi. Bah du coup, ouais, je m'en rends compte, ouais. Parce que... C'est clair que c'est pas forcément... Ah, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Oh la vache. Oh la vache. On va passer par là. Sérieusement? Ouais, je vois ça aussi, ouais. Je m'en rends compte. C'est sympa. Non, mais ça anime les soirées d'hiver, quoi, je veux dire. C'est plutôt cool. Hein. J'ai pas fait exprès. Je te promets, j'ai pas fait exprès. Faut juste trouver un passage là. Je pense qu'on devrait pouvoir passer par là, là. Ça a l'air de passer. Destruction. What the fuck? Pourquoi ça me brûle les yep là? Pourquoi ça me brûle les yep? Je peux pas passer par là? Est-ce qu'il y a... Ok, c'est ce truc là. Je peux passer par là? Ah non, le poison. Mais je le vois même pas, le poison. Ok. Est-ce que j'arriverai à choper le... Je le vois même plus, le bordel. Ah, j'aime pas ces mecs là non plus. Enfin, ces espèces de grosses pattes. De longues pattes. Deux secondes. Je peux pas m'occuper de tout le monde en même temps. Pas possible, c'est juste pas possible. Ah putain! Ah, ils font moins les malins avec les D4 là, hein! Ils me mettaient des soupapes! Ah, maintenant je cours limite aussi vite qu'eux, quoi! Ah, par contre, c'est pas cool là de me péter à la gueule. Ah, je suis entouré de trucs vénéneux là, wesh! Vas-y, on se casse! Ici, est-ce qu'on va réussir à monter par là? Est-ce qu'il y a moyen de monter? Bah, de toute façon, c'est quoi? On va le trouver, le moyen de monter. On va se faire une tour. Normalement, je devrais avoir de quoi faire une tour. Je sais jamais dans quel menu c'est, quoi. Organisation, tour d'observation. Par contre, ça va me bouffer un peu de... Mais c'est pas grave. Hop.
dans cette direction. Maintenant, faut trouver un... L'ascenseur orbital est juste là. Trouver un moyen de passer par ici. Bah du coup, maintenant que je suis en train de tirer le câble... J'ai placé les deux pompes. Quand même. J'ai placé les deux pompes. Mais c'est clair que c'est assez... Ça fait une bonne rando, quoi. En espérant que j'arrive à tirer... Bon, on verra pour exploiter les deux, du coup. Si j'arrive... Par contre, ça va être folklore de tout ramener, quoi. Il est où, le poteau? Oh, shit. Ok, on peut le placer là, là. Ok, nickel. Est-ce que je vais réussir à... Ouf, ça passe just. Ok, maintenant, faudrait contourner... cette partie-là. Je vais aller le voir. Je vais aller le voir, le spot dont vous parlez. Je vais aller le voir. Si c'est vraiment si proche que ça, on va aller voir. Bon, moi j'aurais tiré le câble un maximum. De toute façon, on n'aura pas suffisamment de câbles pour, je pense, tout faire jusqu'à la base. À mon avis, on n'aura pas de quoi aller jusqu'à là-bas. En plus, si je suis forcé de contourner. Si je suis forcé de contourner à chaque fois les. Certaines choses. Oh mon dieu, ça grogne. Oh mon dieu. Lâchez-moi. On va passer par là. B. Nice. Bon, on se rapproche. J'ai l'impression que c'est... je me sens comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est une longue marche en trois épisodes, quoi. Version longue, non censurée. Ok. Ça fait un peu haut, là. On va manger un peu avant. On ne sait jamais. Est-ce que les feuilles vont amortir ma chute? Non. Il y a un truc qui brille, là. Est-ce que c'est une limace ou un... Putain, il doit être en hauteur. C'est pas... Il y a un truc en haut, là. Et le train, quand j'ai vu les screens de Hardy, ça a l'air super fun, quoi. Tu dois bien galérer à mettre en place le train, mais... une fois que tout est connecté, ça doit être vraiment génial, quoi. Est-ce que je vais réussir à monter... quelque part, là? Ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, bah tant pis. Le train, c'est dernier palier, dernier jalon.
Oh, il y a une limace là-bas. Ok. On va s'en contenter. Toc. Ah, oh, shit. Bon, là, pour le coup, j'avais pas le choix si je voulais récupérer la limace. Obligé de les réveiller, quoi. Viens là! Ok. Petite limace. Le train, c'est au 6. D'accord.